Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Yo, c'est Romali de retour pour une vidéo deep dive. On va parler du projet avec le frérot Emric, Rise of Attack Team. Vous pouvez aller le streamer sur toutes les plateformes. On va parler du premier son, Mob Whisper. C'est pas le premier son qu'on a fait pour ce projet-là, mais c'est un défi pour moi, dans la mesure où ça faisait des années que j'étais en train de me concentrer sur les chansons, comment faire une chanson efficace, un refrain efficace, de la mélodie, etc. Et là, Emric m'envoyait un instru pur boom bap, où tu peux pas te cacher, tu peux pas juste faire de la mélodie, machin. Dans un sens, c'est un son un peu ego trip, mais pas tant que ça non plus. C'est pas juste pour dire salut, je suis fort et tout. Je vais réécouter le couplet d'Emric vite fait pour me rappeler la vibe. Tchunchix pharaon, bon moi en pyramide. Moi en vine trop fort, tous ces négros lamide. Ou pépari. Ouais, c'est ça, c'est un ego trip, mais c'est chill. Ça m'a rappelé un petit peu Currency, Wiz Khalifa, la bonne époque et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, faut que je fasse un truc sympa, mais il faut que je montre que je sais rapper aussi, tu vois. Et du coup, j'ai commencé en disant à l'aise en lomba, Eddington, rime moi, pépa, la jella, claqué, combat, Eddington, fait contrat, c'est nos bites. Dans l'ombre d'Eddington, mes rimes ne peuvent pas être light. Ta gueule est claquée comme le badminton. Vas-y, fais un contrat, c'est no bite. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Donc, à l'aise dans l'ombre d'Eddington, jusqu'à maintenant, même en essayant de faire ma musique de mon côté, j'ai jamais essayé de shine plus qu'Eddington. Je veux juste faire mes affaires de mon côté. Si jamais ça donne quelque chose, tant mieux. Si ça donne pas quelque chose, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, si je fais pas de musique, en fait, je suis malheureux et je m'en suis rendu compte. Du coup, je dis, ta gueule est claquée comme le badminton. Vas-y, va faire un contrat de Cénobite parce que les Cénobites sont moches as fuck. Ah oui. En rime, tout Walter White, nègre, fait rêver à l'ennui, disant, mais yo, qu'on sait où taille, c'est vous qui blaguez ou grossissez. Dans les rimes de l'underground antillais, frère, tous les gars, c'est Pablo Escobar. La police connaît pas les gars, frère. La police ne surveille pas les gars, frère. Les gars habitent dans des cités HLM, mais ils sont tous Pablo Escobar, frère. Et ils ont rien d'autre à te dire que ça. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette rime-là. Vas-y, fais tes rêves la nuit. Zami ou Konsi ou Tait, donc frérot, le frérot fait comme s'il est énervé quand tu vas balancer des rimes comme ça. Et c'est toi qui blagues que t'es grossiste, frère. T'es grossiste et tu vis dans la cité toujours. Encore fait ça, enlevez-vous ça, ou paye plus mal zombie, baillon répit, inspirez-moi la misanthropie, gage en monnaie à ou atrophié. Je fais ce que je veux, tu fais ce que tu peux, explicite. Ta plume, c'est un zombie, donne-lui un répit. Parce qu'en vrai, les gars écrivent tout le temps les mêmes rimes fatiguées. Ils savent même plus comment l'écrire, la rime. Les mecs m'inspirent la misanthropie, la haine de l'être humain. Regarde comment ta monnaie a atrophié. Ah merde, j'ai embrayé. Gage en monnaie a atrophié. Ah oui, c'est ça. Ouais. Strophe suivante. Neglani en marque, pépin. Neglani en marque, paye pas vendre mon t-shirt. Hey, Pablo Escobar, incapable vendre comme la barre. C'est pas ça le flow, mais bon, pas grave. Donc, ouais, les frérots, ils ont des noms de marque pour la plupart. C'est-à-dire que les gars qui sont un peu populaires dans la trap musique, machin, ils ont tous des noms que tu reconnais, des têtes d'affiche, machin, mais ils te vendent pas un t-shirt, ils te vendent pas une casquette. Mais pourtant, ce sont des professionnels de l'achat-vente. Donc, tu t'as dit un problème. Désolé pour le bruit. Donc, si t'es Pablo Escobar, t'arrives pas à vendre la cam, c'est que frérot, t'es une fraude en fait. Incapable de vendre cam là-bas. Zami un péqué écrit bar. C'est vous qui connaissez bar. Oh. La jolle hôtel bar. Madame a regardé au compas. Oh. Ouais, donc frérot, je vais pas écrire les rimes pour toi vu que. Enfin, non, je vais pas écrire les rimes pour toi, nique ta mère.
C'est toi qui connais les barreaux, de toute façon. T'es un grand genre de criminel, machin. L'hôtel, la prison, c'est un hôtel pour toi. Ta meuf, elle te regarde comme un paro. Parce qu'en vrai, les gars, vous inventez des vies de Pablo Escobar. Vous vendez rien. Et ensuite, vous voulez chauffer, vous voulez soulever des meufs avec votre notoriété. Sauf que les meufs, elles voient que vous êtes un chien. Enfin, j'ai pas que les gars essaient d'impressionner en vrai. Parce que si t'es fan de rap, au bout d'un moment, tu comprends que c'est un effet de mode, tous les frérots qui sont Escobar. Et tu vois bien, les gars sont en BM double pied dans la rue Fribourg, frère, à Pointe-à-Pitre. T'es en BM double pied à Pointe-à-Pitre et tu veux me faire croire que t'es un grossiste, frère. Kounya maman rap, en la pou, en marisou, tout ça ou dit c'est cap pour. Tout ça ou dit c'est cap pour maquerie maulé t'es sous. Petit jeu de mots avec le mot sous. Nique le rap, moi je suis là pour faire des sous. Tout ce que tu dis c'est des mensonges. Tu as écrit des rimes lorsque tu étais bourré en fait. Ou en bachat dans le passage. Donc ce couplet-là, c'était plutôt fun. C'était pour jouer un petit peu avec la technique, les rimes. Un sentiment de ras-le-bol de voir tous les rappeurs rimer sur les mêmes sujets. Ils essayaient tous d'écrire la même rime. Le même couplet, je veux dire, en faisant des rimes différentes. Et frère, moi, le rap entier, en vrai, en bon et ça, zombie. Donc ça, c'est pour Mob Whisper. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne. Like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.